après cette année de repos, je me sentais prêt à reprendre un nouveau challenge. Et c'est pour ça que, après beaucoup de, pas de négociations, de discussions, de réunions et beaucoup de, avec le président qui m'a expliqué son projet, qui m'a expliqué où il voulait aller avec le club, que j'ai dit oui. Et comme vous le savez, c'est un... Bon, je me suis reposé, je recommence quelque chose. Mais vu mon âge et vu la triple casquette que j'ai au club, ce sera certainement mon dernier projet. Puisque le jour où il sera temps d'arrêter comme entraîneur, j'aurai d'autres fonctions dans le club. Et ce moyen et long terme m'intéresse vraiment parce que j'estime que dans ma carrière, j'ai fait plusieurs choses, que j'ai les capacités d'aider le club à se stabiliser, je vais dire, où il a été souvent, mais où il n'est pas toujours resté. Donc c'est un peu l'idée de ce projet, un petit peu, on peut le comparer, hein, vous savez, quand je suis revenu à Bruges, l'idée aussi c'était de faire ça. Et avec Bruges, je crois qu'on l'a bien réussi quand on voit les résultats de Bruges des quatre dernières années, avec des participations en Champions League, quart de finale de Coupe d'Europe, deux titres, une coupe, une autre finale, perdue contre le Standard. Je crois que c'est un peu l'idée, quand on parle du moyen et du long terme, d'être un club stable au sommet du football belge et de participer à l'Europe. Le président a été très convaincant parce qu'il a en temps, en énergie pour me convaincre de revenir. Il m'a expliqué tout ça. Il est venu me visiter plusieurs fois. J'ai appris, on a appris à s'apprécier, je crois, en tant qu'homme d'abord. Donc c'est un aspect très important aussi pour moi de travailler avec des gens avec qui j'ai vraiment un bon contact, parce que si on travaille avec de la distance, et je crois que lui est comme ça aussi, donc on a créé ce lien qui a été fort important dans ma décision. Donc il a fait là un boulot énorme. La première fois on s'est rencontrés informellement, il m'a dit « est-ce que tu envisagerais ?» J'ai dit « je sais pas, il faut voir comment, etc. » Et puis on s'est revus plusieurs fois. Et toute cette période, c'était vraiment malheureusement une période où le club n'allait pas très bien. Et au moment où, je ne vais pas dire on n'avait pas mis des choses sur papier, mais au moment où je lui ai dit « ça m'intéresse, oui je veux le faire », à ce moment-là, je crois que c'était peut-être début de l'année. C'était une période où le Standard n'allait pas bien. Après, heureusement, ça a été très bien. Et je dis heureusement, hein, parce que tant mieux, c'est mieux de prendre un club qui est qualifié pour l'Europe et qui revit. Je lui ai proposé à plusieurs reprises, vu le succès qu'il y avait, de me retirer, de lui dire « écoute, si tu changes d'avis, si tu veux prendre une autre voie, pour moi il n'y a aucun problème, je connais le football suffisamment que la vérité d'un jour n'est pas toujours la vérité du lendemain ». Donc je lui ai laissé la liberté et je lui ai dit à plusieurs reprises, et chaque fois il m'a dit « non, je sais où je veux aller avec le club et j'ai besoin de toi pour y arriver ». Donc je vous dis, quand il a été convaincant, là il a vraiment été en gardant ce cap qu'il avait comme idée au départ.